Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis hyper contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et Dieu sait que ça fait un petit moment que vous n'en avez pas eu. Vraiment, je suis désolée, mais en fait, j'ai un emploi saisonnier jusque fin août. D'où le fait que en fait, l'environnement dans lequel je suis n'est pas du tout le même que celui que vous voyez d'habitude qui est chez mes parents. Là, je ne suis pas chez mes parents, je suis chez quelqu'un de ma famille. Que je ne citerai pas, mais par contre vous pouvez deviner de qui il s'agit grâce à la décoration qui se trouve, ou peu de décoration on va dire, ou des meubles, parce que parlons de la décoration, il n'y en a pratiquement pas hein, autour de moi, c'est surtout des meubles, donc avec ce peu de meubles là, bah, vous pouvez savoir de qui il s'agit, beaucoup de blabla autour d'une personne. Et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo que j'ai déjà faite qui plaît pas forcément à plein de personnes, j'en suis bien consciente, mais moi c'est quelque chose qui me plaît dans le sens où c'est un, enfin, c'est pas, ça n'a rien à voir avec des vlogs, mais ce sont des photos personnelles que je montre en fait de différents panoramas, de paysages que j'ai pu voir, donc ça peut être genre des voyages que j'ai pu faire, ou alors juste des choses qui sont près de chez moi en fait. Genre, comme par exemple des photos de la Hague par exemple, que je vais vous montrer aujourd'hui. Donc je sais qu'il y en a beaucoup et Dieu sait que j'en ai entendu parler. Mais en fait ce ne sont pas des photos que vous pouvez retrouver sur internet. Certes vous pouvez en voir sur internet, sauf que là il s'agit de photos personnelles. Donc s'il vous plaît, ces gens là qui mettent des commentaires en disant oui mais je peux retrouver les mêmes sur internet, blablabla, franchement c'est pas, on voit la différence entre les photos qu'il y a sur internet et les photos que moi je prends, parce que ce sont, c'est, à chaque fois j'essaie de faire en sorte quand je prends des photos de montrer des endroits qui sont jolis, voilà, et qui peuvent faire une jolie photo sans forcément les retrouver sur internet, voilà. Maintenant que ce petit blabla est fait, que j'ai mis un peu les points sur les i on va dire, je vous laisse avec la vidéo et on se retrouve juste après ça. Go on, my nails are getting shorn. It's harder than I thought. It just shows you can only go so far and not get caught. I'm dying for more. La vidéo est maintenant terminée, j'espère en tout cas qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser des petits likes sous la vidéo, également à commenter. Et si toi derrière ton écran tu n'es toujours pas abonné, je t'invite à le faire en cliquant sur le petit bouton s'abonner et aussi en cliquant sur la cloche pour recevoir le lien de mes notifications. Je te dis ça parce que en fait la famille s'agrandit, tu vois, et je suis vraiment hyper heureuse. Donc vraiment, si tu n'es pas abonné, eh bien tu as juste à cliquer ici. Et aussi, t'as juste aussi à me retrouver sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Twitter
et sur Instagram. Voilà, j'essaie d'être le plus présente possible, même si en ce moment c'est un peu compliqué dans le sens où je ne suis pas chez mes parents, je suis chez quelqu'un de la famille qui n'a pas de wifi, donc j'essaie quand même d'avoir du wifi quand c'est possible, donc je vais en ville et j'essaie de trouver un coin où je peux en avoir, parce que pour recevoir des mails de boulot, si tu peux travailler ou pas, j'avoue que son wifi c'est un petit peu compliqué, donc voilà. Mais j'essaie quand même d'être présente le plus possible quand je peux, voilà. Quand j'ai quelque chose à poster, bah je le poste, sinon bah je mets rien, voilà. Tout l'intérêt des réseaux sociaux. Et aussi je voudrais vous remercier pour la vidéo Storytime qui a passé vraiment les 800 vues. J'ai jamais vu ça. Vous avez explosé les records, mais je crois que ça m'est jamais... Jusque là ça m'était encore jamais arrivé, donc les 800 vues, merci beaucoup. Ça me touche énormément, je suis vraiment super contente. Et je suis aussi très contente de voir que la famille s'agrandit, donc... Continuez de vous abonner, de parler de la chaîne autour de vous, etc. pour agrandir la famille tout simplement, parce que vous qui êtes abonnés, je vous aime énormément. C'est vrai que je vous le dis pas assez, mais je vous aime énormément. Depuis que j'ai commencé cette chaîne, en fait, je prends énormément de plaisir à filmer, à vous partager en fait mon amour pour la lecture, pour la musique, pour les films, enfin tout ce qui tourne autour des médias, on va dire. Donc le fait de vous partager ça, vraiment, c'est quelque chose que j'aime beaucoup et que je suis pas prête d'arrêter. Donc voilà, maintenant je vous fais de très gros bisous, puis je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.